Bonjour et bienvenue à Strasbourg. Je me trouve dans l'une des rues les plus anciennes de la ville et les plus emblématiques, la rue des Juifs. Savez-vous que cette rue possède un trésor inestimable et remarquable du patrimoine strasbourgeois? Un trésor qui date du 15e siècle. Je me trouve précisément au numéro 15 de la rue des Juifs. Derrière moi, un hôtel particulier, l'une des plus anciennes demeures médiévales de la ville de Strasbourg. Cet hôtel particulier va passer de main en main pendant des siècles, jusqu'à parvenir à l'une des plus puissantes familles de la noblesse alsacienne, les Beuclin. Et c'est eux qui vont transformer durablement cette demeure. Mais qu'allons-nous trouver dans cet hôtel particulier de la famille des Beuclin? Je vous invite à un voyage dans le temps au 15e siècle. Cachées pendant près de 5 siècles, ces fresques médiévales ont été découvertes en 1987 lors de la rénovation de l'immeuble. Elles étaient dissimulées par des couches de plâtre et des cloisons, les plafonds peints par des faux plafonds. Ces peintures du 15e siècle sont le dernier vestige de peinture médiévale civile ici à Strasbourg. Et c'est avec une émotion palpable que nous allons découvrir ce que pouvait être un appartement au 15e siècle. Les plafonds sont d'un seul tenant et longs de 12 mètres. Ils traversent tout l'espace d'une façade à l'autre. Les intervalles entre les poutres sont rythmés par une alternance de rosaces bleues et rouges. Les couleurs bleues et rouges nous ramènent au symbole du mariage. Et sur le mur, nous pouvons distinguer une allégorie de la vie et de la force, représentée par des feuilles de chêne. Et ce n'est pas tout. Un motif animalier vient nous surprendre. Deux oiseaux, deux colombes, se regardent, se font face à face. Elles symbolisent l'âme humaine. Les motifs se succèdent sans être répétitifs et ils nous entraînent dans un bain de nature. Mais ce n'est là qu'une mise en bouche artistique par rapport aux fresques murales qui nous attendent. Nous ne savons rien sur l'identité de ces personnages et encore moins sur le sens de la représentation de ces fresques. Tout au plus, pouvons-nous émettre quelques hypothèses? Plusieurs scènes se succèdent devant nous. Ici, celle d'un enfant et d'un adulte qui se font face. La jeunesse s'opposant à l'âge adulte, la légèreté à la gravité. Peut-être que l'homme apparaît ici comme un professeur, sermonnant la jeunesse indocile. Puis s'impose à nous une figure d'une beauté féminine infinie. Elle a échappé aux ravages du temps et semble quelque part comme immortelle. Nous pouvons deviner sa richesse aux vêtements qu'elle porte et au nombre de coussins sur son dossier qui lui apportent stabilité et confort dans la société. Peut-être est-ce la fille du propriétaire ou sa femme. En tout cas, l'arrière-fond est décoré de quelques grenades, symbole de fécondité et qui annonce sûrement un heureux événement. Plus loin, deux personnages richement vêtus se regardent. Peut-être sont-ils en pleine négociation ou discutent-ils d'une question philosophique ou historique? Juste à côté, une ville fortifiée, dont la plus haute tour est le clocher. Un chœur de quatre jeunes filles en sort, leur petite taille nous donne une question de perspective. Quatre muses qui s'adonnent aux joies de la musique et du chant et qui nous invitent à une danse. Enfin, deux personnages se font face à face, dont le sujet de la représentation est encore soumis à débat. Le plus jeune, faisant tournoyer une lanière en cuir au-dessus de sa tête. Le plus grand, disposant d'une lance. Est-ce David et Goliath? Nous ne le savons pas. C'est un mystère. Toutes ces scènes peintes nous offrent un aperçu de ce que pouvait être la vie dans un riche hôtel particulier au Moyen-Âge. Scènes courtoises, vie faite de loisirs, occupations quotidiennes, d'affaires ou d'éducation. Ces personnages continuent à vivre devant nous. Mais alors, pourquoi ont-ils été peints? Parce que nous nous trouvons dans une salle de réception. Les fresques murales avaient une fonction bien sûr décorative, mais aussi une fonction à témoigner de la richesse des propriétaires. L'embellissement d'une maison par la décoration intérieure servait bien sûr à orner des pièces d'apparat. Bref, on cherchait surtout à paraître. Mais alors, qui est à l'origine de ces fresques? Nous le savons grâce à les découvertes fortuites d'un blason lors de la rénovation de l'immeuble en 1987. Et ce blason, c'est les armoiries de la famille Beuclin. Propriétaires des lieux, ils étaient commanditaires des fresques que nous admirons aujourd'hui.
Ces mêmes fresques témoignent de leur rang, de leur fierté et de leur puissance. Jean Boecklin était quand même Stadtmeister, maire de Strasbourg pendant 30 ans. Et puis après, les années passent, les mentalités changent, les mœurs évoluent. L'hôtel particulier passera dans les mains d'une autre famille, celle de Johann de Mundolsheim, qui donnera son nom à l'édifice actuel. Et puis, on cloisonnera les pièces, on recouvrira de plâtre les fresques médiévales, on cachera les plafonds. Et tout tombera dans l'oubli pendant des siècles. Jusqu'en 1987, où lors de travaux de rénovation de l'immeuble, on va redécouvrir ces fresques médiévales. Elles vont alors connaître une véritable renaissance. La maison actuelle est occupée par des associations de vocation de défense du patrimoine. Ici, à Strasbourg. Malheureusement, le plus grand public, les Strasbourgeois, n'y ont pas accès, d'où le caractère exceptionnel de cette vidéo que vous venez de suivre. N'hésitez pas à liker et à partager la chaîne Strasbourg en histoire et de laisser des commentaires. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Pourquoi ont-ils été peints?